La quotidienne, les gars, épisode 1000. C'est une date importante pour nous. Donc j'aimerais qu'on ait plein de bonnes idées. Comment on organise tout ça? On a Clément pour commencer. J'ai rien, je sais pas. Julien? Mec, mais laisse-moi tranquille, va sur Clément s'il te plaît, tu vois, moi je suis en galère. Non, ce qu'on peut faire, c'est un best-of. Moi j'ai eu cette idée, c'est regrouper les meilleures vidéos de la chaîne pour en faire un best-of, quoi. Ça peut être pas mal. Un best-of, très bonne idée. On l'appellera le best-of 1984. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Je barre. Une autre idée? Ouais, j'ai peut-être un truc, le crossbar challenge, ça peut être pas mal. C'est de se mettre sur un terrain, ça peut être pas mal ça. On se met sur un terrain, on vise la barre, c'est gagné pour la millième. Crossbar challenge. Non, tu m'as déjà vu toucher une barre? C'est vrai que non. Non. Julien, sauve-nous. Un petit truc vite fait. Sinon, vous voulez pas, on tourne sur le plateau de téléfoot? Il y a des vraies lumières, vrais matos, des preneurs de son, des cadreurs. Des preneurs de son et des cadreurs, mon gars. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans la quotidienne, ou la presque quotidienne, parce que oui, c'est une journée un petit peu spéciale pour nous, nous fêtons la millième quotidienne de l'histoire de l'humanité, et ça, les amis, ça, j'aurais dû prendre des notes. Pour l'occasion, on a décidé de se faire un petit kiff, un petit plaisir. Premièrement, on a décidé de squatter le plateau de Téléfoot, et deuxièmement, on s'est dit qu'on allait faire un mix entre Téléfoot, l'émission du dimanche matin, et Téléfoot, la quotidienne, pour s'amuser tous ensemble. On va tout vous expliquer dans quelques instants, mais avant cela, le casting. Monsieur Margoton. Bref, tu prends ma place. Monsieur Margoton. Il attaque. Il est parti aux toilettes, j'ai pris sa place. Il la retrouvera plus, ça va? Oui, ça va bien. Et content d'être là? Oui, bah, oui. Pour perdre? La millième. Pour perdre. Oui, bon, voilà. Ah. Julien choqué. Il y a la choc avec moi. Pas de défaite. Pas de défaite. Ça va mon gars? Ça va et toi? Ouais, ça va bien, merci. Rien. Marine Marc. Salut. Qui a présenté la quotidienne? Je suis l'hybride du groupe, moi. À une certaine époque, ouais. Meilleure expérience de ta vie d'ailleurs. Ah mais sans aucune commune mesure autre de l'humanité. De... Merci Marine. Et le mote, le monteur of all time. C'est comme le GOAT, mais des monteurs, voilà. Ça Clément est là aussi. Enchanté. Croise les bras, il est très content d'être là. Clément, il est en mode tueur. J'ai confiance en notre équipe. Il est venu pour faire du sale, voilà. Bon, madame, messieurs, pour cette millième quotidienne, plutôt que de faire une émission classique, on va jouer ensemble un genre de grand concours des animateurs, non, mais de téléfoot. Voilà. Oui, le concours des animateurs, d'ailleurs, c'est cette semaine, c'est samedi soir à suivre sur TF1. Le principe pour être est ébloui. Simple. Trois épreuves, vous marquez des points à chaque épreuve, on fait des petits quiz, voilà. Et à la fin, il y aura un vainqueur. On a fait deux équipes, Margoton choqué face à Marc. Clément, sachez bien qu'à la clé, quand même, il y a un chèque de 18 millions d'euros on va les chiffrer. À remporter. Ouais, voilà, ça vaut quand même le coup de gagner. Allez, c'est parti pour ce fameux quiz de la quotidienne et on démarre tout de suite avec le jeu des trois clubs. Jingle. Et notre premier jeu, donc, pour démarrer ce grand concours des animateurs de téléfoot, le jeu des trois clubs. Le principe est très simple. Je vous donne trois clubs, c'est un jeu qu'on aime à téléfoot. Trois clubs, ok? Et il y a un joueur qui est passé par ces trois clubs à chaque fois. Et vous devez deviner qui est ce joueur. Vous avez tous compris la règle, ça va? C'est pas très compliqué. Attention, je préfère vous prévenir, Clément est un killer, voilà, à ce c'est jeu. C'est faux, tu vois, tu m'en fais directement. Va falloir être chaud. Ok, on voit ça dans quelques instants. Marine, on démarre tout de suite. C'est parti. Premier club, donc, Monaco. Deuxième club, Manchester United. Troisième club, l'OM. Evra. Quel joueur est passé par ces trois clubs? Evra. Ouais, il y en a un deuxième pour vous départager. On peut en donner plusieurs. Ouais. On peut en donner plusieurs. Il y en a un deuxième. Vous pouvez vous parler, hein, vous pouvez... Qui ça? Barthez. Effectivement, c'est Fabien Barthez. Allez, je vous mets un point. Grégoire, s'il te plaît. Chacun. Mais pas dans cet ordre-là. Ah, je pas. Je suis pas dans mon époque. T'es stressé? Moi, j'attends. Non, bien sûr que non. T'es pas dans ton époque. Ouais. On est de la même époque, on est mal barré, mon gars. Ah ouais, non, mais attention. Allez, Grégoire, s'il vous plaît, un peu de concentration. Oui, du coup, on enchaîne. Oui, un ou deux points. C'est un point chacun. Commencez pas à vouloir faire des histoires. Voilà. Deuxième joueur avec ces trois clubs: Arsenal, Portsmouth, Al Jazeera. Waouh. C'est tellement facile. Là, je pense qu'aussi, c'est une autre époque, non? Arsenal, Portsmouth, Al Jazeera, un joueur que vous connaissez tous. Il a dû arrêter sa carrière il y a deux ans, peut-être. Non. Deux ans.
Il est businessman depuis, il vend des boissons énergétiques, je crois. Voilà. C'est bon, des Français ou ça peut être... C'est un Français, il a joué aussi à l'OM, il est milieu de terrain, il a joué en équipe de France. Diarra. Lassana Diarra, le point pour Grégoire. Et Julien, eh oui. On enchaîne. Je compte les points, je te dis. Toi, tu comptes les points, t'as dit ? Je compte les points, bien sûr que je compte les points. Parce qu'il visait bien fort. Concentre-toi. Vienne, Bayern, Real Madrid, quel est le joueur passé par ces trois clubs? Vienne, Bayern, Real. Non, c'est pas Kroos. Oh, j'aurais dû jouer, je les aurais gagnés, les 18 millions, ça aurait été facile. Non, c'est pas Kroos, j'ai jamais joué à Vienne. Vienne, Bayern, Real, il a été transféré. À là-bas, ça fait deux partout. Voilà. Applaudissez Clément, s'il vous plaît, parce qu'il c'est quelqu'un qui a besoin d'aide de deux. Si, moi, je t'inquiète pas. Je le remercie. Petit à petit. Voilà, tu rentres dans le Clément fait son nid. Allez. Je vais pas laisser le point. À là-bas. On enchaîne, messieurs, dames. Nottingham Forest, Chelsea, jusqu'à la fin des temps. Terry? Ensuite, non. John Terry, bien joué, Julien Choquet. Tu sais, pour ça fait 3-2. Gros, respecte-moi, s'il te plaît. Ah là là, okay. 3-2 pour l'équipe Margoton Choquet. 3-2 Tu vois, tu commences. Non, 3-2. Ils ont bien répondu tout à l'heure à la première question. Et ensuite, Clément a bien répondu. Absolument. Mais oui. Eh bien, on est à 5-2. Non, ça fait 3-2. Ça fait 19, je pense. 1 partout. La première, c'est moi qui ai répondu les deux, Barthez et... Non, ouais, ils ont 3-1. Pour moi, il y a 3-2. On coupera, on coupera. Pour moi, il y a 3-2. Tu vas rien couper du tout. Le mec, il arrive. On coupera, vous inquiétez pas, on coupera. Ok, on me dit dans l'oreillette qu'il y a 3-1. On a bien compris qu'en face, c'était le Real Madrid. Vous remarquerez quand même notre honnêteté, l'arbitrage est avec vous, tout va bien. Allez, on enchaîne. Juve, Inter, Milan. Juve, Inter, Ibra. Oui, Ibrahimovic, voilà. Oui. Du coup, ça fait quoi, 3-1 3-2 maintenant. 3-2, ok. Je sors 3 secondes après. Milan, Flamengo, Atletico, s'il vous plaît. Milan, Flamengo. Attends, Atletico Mineiro. Bien sûr, Atletico Mineiro, le seul vrai Atletico. Pato. Non. Pato. T'as dit qui? Adriano. Non. Ronaldinho. Ronaldinho, bien joué, monsieur. Margoton. Ça fait 4 buts à 2 pour l'équipe toujours, Margoton. Pour maintenir la cohésion d'équipe. On l'a, celui-là, on l'a. Il est pas facile, le prochain, vous allez voir, mais c'est là qu'on va voir les vrais connaisseurs. Lille, Roma, Barça. Lille, Roma, Barça. Là, on l'a, celui-là. Lille, Roma, Barça. Je suis français. Je joue toujours en équipe de France. Ah, aujourd'hui, je joue en Première Ligue à Everton. Je joue à Everton aujourd'hui. Digne. Voilà. Oh, là, il allait nous donner la réponse, en fait. Non. Oui, j'ai un peu... Non, c'est Clément qui l'a donné. Ah non, je l'ai, là. C'est lui, même encore moi derrière, avant toi. Ça fait 4-3. Depuis le début, j'ai dit. Ça fait 4-3. Vous pouvez égaliser, il en reste un. C'est vrai. Avant de finir cette première manche, il reste un joueur à découvrir. Real Madrid, Monaco, Liverpool. Facile, j'aurais dû faire des questions plus dures, vraiment. C'est dans l'ordre, du coup, les clubs. Ça te regarde. Ah, bien sûr, Fabinho. Fabinho et Marine et Clément qui donc égalisent. Ça fait 4 partout sur cette première manche. J'ai envie de dire que le suspense est maintenu. Voilà, ça ne m'arrange pas du tout. Voilà, 4 partout. C'est la fin de la première manche. On va tester vos talents de dessinateur. Qui s'est dessiné ici? C'est Clément, comme d'habitude. Clément, voilà, évidemment. Clément, c'est son métier, on le rappelle. Clément Banksy. Oui, exactement. Banksy, surnom dans le milieu, oui. Grand dessinateur. Donc, il n'y a que toi. Ici, vous allez être un peu embêté. Oui, complètement. Ouais. Ça va être drôle. Au moins, on va rigoler. Dessine ton footeux. C'est la deuxième manche de notre grand quiz des grands animateurs de téléfoot. Jingle. Vous avez déjà vu un paperboard aussi beau? De qualité. De qualité supérieure. Voilà, pour notre deuxième jeu. Alors, c'est très simple. Qui dessine le mieux, là, on a dit déjà, chez vous? Qui va dessiner ici? Nous, on part sur une tactique où j'ai envie que Marine y aille, perso. Ok. Pour qu'il reconnaisse rien. Ce sera Marine. Perso. Il nous a expliqué sa tactique vraiment dans les détails. Marine tactique, ce sera Marine. Ok. Julien Grégoire. Nous, on a une tactique. C'est 4-3-3 avec lui qui va. Avec lui qui dessine. Qui va, ouais. Ok, bien c'est parti. Julien, je t'invite à me rejoindre. Viens donc on ici. On commence. Voilà. T'arraches les deux feuilles. Tu choisis un stylo. On a mis plusieurs couleurs pour pas que tu sois perturbé. Tu choisis ta couleur préférée. En hommage à Grégoire, je vais prendre le rouge. Le principe est simple. Je vais te donner une feuille téléfoot, voilà, avec 6 noms de joueurs dessus. Tu as 1 minute 30 pour faire deviner un maximum de joueurs à ton
camarade qui s'appelle Grégoire. Je peux dire binôme, enfin, il y a ton binôme, d'autres. Voilà, ton frère. Associé. Ok, c'est bon pour toi. Je te donne la fiche, tu peux les découvrir tranquillement. Voilà, Grégoire ne regarde pas, la feuille, évidemment. Non, on joue pas. Bah non, vous jouez non, pas. Non, parce qu'on va leur souffler. Bah non, vous coup, jouez pas. C'est ça. Voilà. Okay. Tu t'es imprégné des noms sur cette feuille. Est-ce que si je la pose comme ça, face retournée, il voit. Non, c'est bon, tu peux la poser. Tu peux la poser comme si ça. Si tu veux, on te la garde. Voilà. Non, c'est bon. C'est vrai. Tu as 1 minute 30 à mon top pour faire deviner le maximum de joueurs en dessinant à Grégoire. C'est bien enregistré c'est dans ta tête. C'est parti. Ok. 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti. Est-ce que tu vois quelque chose déjà? Tu ne vois rien? Non, 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 mais vas-y. Ronaldinho. Voilà. Je suis en train de voir le retour, c'est terrifiant. Attends. Ouais, qui a ça? Petite. Si tu peux changer de joueur. Ah, Ronaldo. Voilà, bien joué. Ah, le Ronaldo, vrai. Ça R9, ma qualité de dessin. R9, bravo. Allez, voilà. Il te reste une minute, Julien, il faut que tu enquilles. Tu peux faire celui que tu veux hein, sur le 6, ouais, t'es pas obligé d'aller dans l'ordre. Hein. Un brocoli, certes. 50 secondes, Julien, tu as 50 oui. secondes. Oh, en effet, c'est très mauvais. C'est hein. Marge Simpson. Très mauvais. Fellaini. Oui. Voilà, incroyable. Oh. Marouane, tu nous écoutes. Oui. Il te reste 30 secondes, Julien. Allez. Deux points déjà, c'est pas mal. Hein. Je pensais qu'il allait faire zéro. Pourquoi tu fais tout le temps des yeux, une bouche, va dire. Laisse-moi tranquille, mec. Oh, c'est trop nul. C'est pas rien. Napoléon. Presque. Un autre truc éventuellement. Il te reste 10 secondes. Ah, c'est dur. C'est quoi? Pourquoi presque Napoléon? T'aurais dû lui faire un casque de moto. 5, 4. Ah oui, d'accord. 3, désolé, j'ai vraiment tout donné. On te laisse une dernière chance. C'est un joueur avec un casque. C'est lui, Grégoire. C'est un joueur avec un casque. Ah. Voilà. C'était Petr Sech. On en reste à 2 points. Désolé. Un casque. Ah ouais, mais franchement, bien joué. Vous tentez de le faire. C'est comme. Est-ce qu'on peut refilmer le casque? Il y a deux. Voilà. Il y a un truc. Ça. Il a une enveloppe sur la tête. De Petr Sech. Voilà. C'est. Désolé. C'est Mireille Mathieu en fait. Voilà. Et deux, c'est bien. J'ai tout fait. Deux, c'est bien. Aïe, t'es pire que moi. Alors, c'est toi, Marine, qui dessine? Bah, pour moi, ça vous fait 2 points, ça vous fait 2 points. Bon, sur, pour sur avoir des challenges. Allez, Marine, viens. C'est à ton tour. Bon, on va rigoler. Voici les joueurs. Alors, reste bien décalé quand tu dessines pour qu'on puisse voir ce que t'es en train de dessiner. Pour que ton binôme, surtout, puisse regarder son retour juste ici. Non, Marine, c'est parti dans 3, 2, 1, top! Décale-toi, Marine, s'il te plaît, mets-toi un peu sur le côté. David Luiz, j'ai le droit d'en dire plein. Oui, tu peux en dire plein, T'as qui a les cheveux longs encore On est dans la même veine, que David Luiz. Ouais. C'est facile, même moi je l'ai là. Évidemment. T'as pas d'autres signes Il perd du temps, évidemment. C'est bon, c'est dur. Pierre Amraoui. Ouais, ah, il a des yeux. Non, mais il a des grands yeux. Il a des grands yeux. Là, ça se voit là, oui. Il joue en Ligue 1. Regarde la couleur du maillot. Gendouzi. Gendouzi. Ça marche plus ce truc. On a pas eu d'indice, nous, hein, je dis ça ouais, comme ça. Ouais, c'est vrai, mais. Le petit indice, alors, si on a le droit. Si, t'as eu des indices sur Petr Sech, je t'ai dit c'est un joueur qui a un casque. C'est vrai. Décale-toi un petit peu, Marine. Moi, je l'ai où? Ok. 50 secondes, Marine. Ah, c'est facile, je l'ai aussi. C'est quoi ça? C'est une queue de cheval? Ouais. La tanne? Sachez que c'était preuve. On est. Je crois qu'il a. Maintenant, il a le petit. Et si t'arrives à faire deviner, vous passez devant. Hein. Si t'arrives à faire deviner le prochain, il te reste 30 secondes, Marine. Choisis bien, s'il te plaît. On est pas mal là déjà. Oui, vous êtes pas mal là déjà. En Paul Scholes. Décale-toi un petit peu, Marine, je suis désolé. Il dessine en rouge. Voilà. Et tout rouge. Cristiano Ronaldo. Ouais, bravo. Un joueur qui évidemment. Sourit déjà. Ouais, oui. J'ai le droit de dessiner ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, Marine. Un type qui sourit. Ah, je peux pas. Oh non. Bon, il marche pas. Alors j'en prends un autre. Canté. Ouais, mais ça marche pas, j'ai pas le droit. Ça marche pas, elle choisit un autre joueur. Ah ouais, du coup c'était Canté. Ah, bah, évidemment, t'es fou, toi. Moi sinon, j'aurais. Ah ouais, non, mais qui a des coupes? C'est la spécialité des coupes comme ça. Voilà. Vous êtes encore à égalité, voilà. C'est un cyborg. C'était qui ça? Ah, c'était Haaland. C'est un cyborg. Ça fait 2-2 donc sur notre deuxième jeu, ce qui ne m'arrange toujours pas du tout. Non, voilà. Ce qui nous arrange vous pas allez, non regrette plus. Un vous peu allez la vous départager la tactique. Sur la troisième. Ouais. Je pense que tu les aurais eu les joueurs Haaland. Clément avait dessiné. Ah mais toi t'aurais fait les 6 mon gars, t'aurais fait les 6. Voilà, c'est pas en vrai le Grégoire, t'es fier de ton binôme? Oui, bravo à lui. Merci. On peut se partager les 18 millions. Pas évident. Vous pouvez vous partager les 18 millions, voilà, en cas d'égalité. Voilà, on peut. Pour notre dernier jeu. Allez, c'est parti. Le dernier jeu, le tic tac. Oh là là. Oui, hommage au Chiringuito. Tic tac.
tic-tac. Le tic-tac, le dernier jeu qui va vous départager au final parce que vous êtes à égalité parfaite. J'aimerais qu'on regarde la concentration, s'il vous plaît, de Grégoire Margoton qui est en fusion-acquisition. Voilà. En train de se concentrer pour le dernier jeu. Vous regardez les 12 coups de midi? Je regarde. Bien sûr. Hein, évidemment. Tout le monde regarde. Et bah, c'est sur le même concept que le fameux jeu des 12 coups de midi. Vous avez tous les deux, hein, chacun un chrono à une minute, je vous pose des questions à chaque fois que vous donnez une bonne réponse, on arrête le chrono, la première équipe qui a le chrono à zéro a perdu et sera totalement humiliée. Donc, ok, qui va commencer? C'est important qui commence. Donne-moi un chiffre entre 1 et 5. 4. C'est pas ça. Vous commencez. Ce sera donc vous, l'équipe Clément, yes. Marine, qui commence. Ah, mais c'est moins bien de commencer. Et à chaque fois, oui, c'est moins bien, c'est aussi bien. Ça dépend non, du talent, tout simplement. Si t'es bon, ça change rien. Voilà. N'oubliez pas, vous avez une minute. Le chrono apparaît évidemment à l'écran. Soyez bon. Bah si, parce vous êtes fait, prêts? Si t'as le même temps, ça termine plus tôt. Pardon. Merci, Marine. Merci pour cette précision. Ah, la raison, j'ai compris. OK. On y va? Arrêtez de porter l'œil à vos adversaires. Non, par contre, je suis stressé. Dès que je dis top, le chrono part et on démarre les questions. 3, 2, 1, top. Dans quel pays évolue le NS Mura, le club qui a battu Tottenham en Europa Conference League cette année? Passe. Vous passez, très bien. Qui était le gardien d'Arsenal lors de la saison des Invincibles? Lehmann. Jens Lehmann, top, on arrête le chrono. Effectivement, c'était Jens Lehmann. 45 secondes, il vous reste. Vous avez perdu 15 secondes, voilà. À vous, vous êtes prêts, Grégoire, Julien? En effet, ça va vite, et oui, il faut être bon. Vous êtes prêts? Totalement. 3, 2, 1. Qui est le capitaine du FC Barcelone cette saison? Busquets. En effet, c'est Sergi Busquets. Quel match de Première Ligue a été sonné? Attends. Ça nous du coup. Ah oui. Trop fort. Combien? 56. Merci. Ah, fort qu'on soit vif, là. Et là, il n'y a plus de sourire. Plus les questions. Il n'y a plus de sourire, il a dit. Les questions, Capitaine. J'avoue, Greg, regardez comment Grégoire ne sourit plus. C'est bien, moi, je vous dis, il est passé en mode grand concours. En mode transition. Mais t'as vu ce que j'ai fait au grand concours, moi? C'est depuis tout à l'heure, il fait des... Il est consternant. On est en fusion acquisition de la transition écologique. Voilà. Les questions seront égales après à un moment donné ou oui, facile, oui, les questions, oui, oui, les questions. Bah, non, c'est quoi, faut même pas répondre. Ne commencez pas à. Pas les calculs. Ok. 3, en fait, faut qu'on donne vite. 2, 1. Quel match de Première Ligue a été surnommé le derby d'Angleterre? Arsenal-Chelsea. Faux. Ronaldo a joué la Copa 96 avec un flocage pelé dans le dos. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. On arrête le chrono, top. Manchester-Liverpool. Alors, quand on a un truc sur deux... Il vous reste 31 secondes. Allez. Le derby d'Angleterre, monsieur Margoton? Manchester-United-Liverpool. Absolument. Manchester-United-Liverpool. Vous êtes prêts? Allez, dans le ventre de ma mère, j'étais prêt. Allez, Greg. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Top. Quel joueur est le plus capé de l'histoire de la Juventus? Del Piero. Del Piero, top. Non. Oh là là. Ouais. 50 secondes, temps, on est à 50 chez... me dites pas que les questions sont pas équilibrées. Elle était pas facile, cette question. À vous, vous êtes prêts? Ouais. Ne boudez pas, c'est pas grave. Oh, 10 millions. Là, c'est bon, c'est pas grave. On un peu. Et Greg, toujours focus, hein, on sort pas de là. On y retourne dans 3, 2, 1. Top. Dans quel club français a joué le latéral brésilien Maicon? C'était entre 2004 et 2006. Club du sud de la France. Monaco, top, on arrête le chrono. Voilà. Combien? Il vous reste 23 secondes. Et eux? 23 secondes. Et eux... 50, c'est pas ton 50. Problème, en fait. Non. 50. Ton problème, et ouais. C'est toi. 50 et ouais. Enfin, un pouce pour Maicon, parce qu'elle est belle. Quoi. Et ouais. Vous êtes prêts? Maicon Douglas. Vous êtes prêts? Si c'est Nando, il s'appelait. 3, 2, 1, top. Quel numéro porte Donnarumma au Paris Saint-Germain? 39 ou 419. C'est faux. Dans quel club jouait Dimitri Payet avant de signer à Lille? Saint-Etienne. Top. Aïe. Clairement, en même temps. J'aurais dit non. 39 secondes. C'est combien? 99, 39, 29, 50. 59. 50. Rien à voir. 29 dans ma tête. Eh ouais, c'est 50. J'ai hésité, j'essaye. Hein. Ouais, pareil. Clément, Marine, ouais. Concentration, on est prêts? Parce qu'on y retourne dans 3, 2, 1. Top. Quel est le surnom des joueurs de West Ham? Les Hammers. Top. 19 secondes. Bien, on commence à être bien. 19 secondes. Bien joué. À un moment, on équilibre le niveau de... Après, tu vois, tu l'as sorti vite, hein. Bien rouge. À vous. Elle est facile, celle-là, j'ai pas envie de vous la faire. Oh. Elle est trop facile, la question qui suit. Non, elle est trop facile, j'ai pas envie de vous la faire. La tête de Grégoire. Les Hammers, c'est...
Tiens, je vais vous faire celle-ci parce que j'ai envie de vous mettre un peu dans la panade. D'accord, très bien. Non, elle était beaucoup trop facile pour vous, la question suivante. On y va dans 3, 2, 1, top. Comment s'appelle l'ancien stade de l'Atlético Madrid ? Vicente Calderón. Oh oui ! Top, hein. 34 secondes. Ok. On va le faire. À vous. 3, 2, 1, top. Quel est le premier entraîneur de l'ère qatari au Paris Saint-Germain ? Ah, l'entraîneur de Nantes, là, actuellement. Comboiré, top. Ouh là 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 là. Il vous reste 10 secondes. La pression monte. La pression monte. Vous êtes chaud ? Vous êtes prêt ? C'est bon ? Ok. 3, 2, 1, top. Dans quel club évolue aujourd'hui Sofiane Diop ? Monaco. T'es sérieux ? Hein ? On dirait qu'il a fait 50 clubs. Ok, ok. Ok, 29 secondes. Tu sais à qui te plaindre, après, pour les questions. Très bien, ok. Bah, facile, Clément, je vais t'en faire une facile. Ne t'inquiète pas, mon grand, C'était Calderón, c'était simple. Non. Alors, ça suffit. C'est de la mauvaise langue, c'est de la mauvaise langue. Nantes pour Payet. On y va, pour eux, dans 3, 2, 1, top. Combien de matchs Steve Mandanda a-t-il joué avec l'OM depuis son arrivée ? Il les a fait récemment, hein ? Ah ! 400 ? Beaucoup. 400 ? 3, 2, 1. 600. C'était 600. 600 matchs qu'il a joué Steve Mandanda. Ok, bravo la team Choquet Margoton. T'as perdu mon gars. Attendez, asseyez-vous. On va voir. Non, parce que pour gagner, j'invente une nouvelle règle. Une nouvelle règle. Il faut que vous alliez, faut que vous redonniez une bonne réponse. Oui, absolument. Si pendant 45 secondes, on ne donne pas, vous avez gagné. Ok, j'ai compris. Okay. Donc, prends une question qui n'existe pas et que tu vas inventer. Let's go. Normal. Vous avez commencé. C'est à vous de terminer. Je suis désolé. Mais prépare quand même le chèque de 18 millions. Quel est le surnom de Pavel Riochka, le gardien du Gornik Zabrze? Dernière question pour eux. C'est parti. Là, du coup, on a notre chrono. Même si c'est parti. Dans 5, 4, 3, 2, 1, top. Quel célèbre entraîneur a déclaré « Si je devais me noter sur 10, je me mettrais 11 » Mourinho ? Oh là 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 là, la puissance ! Il n'y a que lui qui peut faire ça. Franchement. T'es pas très compliqué. Il vous restait 20 secondes. Tiens, bravo. Grégoire, quelles étaient les premières couleurs de Manchester United ? Vert et jaune. Ouais. Oh là là. Attends. Qui a gagné la Coupe du Monde 98 ? Allez ! La Hongrie ? Michel Delizarazu ! Bravo à l'équipe Margoton Choquet. Applaudissez-les quand même. Imbattable. Bravo. Merci, madame. Merci, messieurs, d'avoir participé. Merci, la quotidienne, on a envie de dire. Bon anniversaire. Bravo, la quotidienne. Merci. Merci à Lucas Baron qui nous a bien aidé à la préparation. Merci à Benjamin Le Graine aussi. On l'oublie, Benjamin Le Graine, évidemment. Merci à Téléfoot, tout simplement. Merci à Pierre Dautrioulaire, la régie. Voilà. Et toutes ces équipes d'avoir réalisé cette magnifique émission. C'est grâce à vous si on est toujours là. Donc un très grand merci et rendez-vous pour la 2000e. Hein. On fera un grand quiz, mais avec d'autres personnes parce que je les aime pas trop eux. Voilà. Merci. Allez, à très vite. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ça. Ouais, je crois que c'est une idée, ça.